Et salut tout le monde, c'est Jean Bloch et on se retrouve pour ce nouvel épisode du Let's Play d'Horizon Zero Dawn. C'est le cinquième, et oui, on avance. Et aujourd'hui, je crois que c'est le grand jour. Il va falloir parler à Rust. Parce que tout simplement, déjà, on va y aller. Donc c'est à 400 pas. Ah, il neige. Il pleut ou il neige? Ok. Je vérifie qu'il n'y a pas de monde. Alors oui, aujourd'hui cinquième épisode, mais aujourd'hui c'est le grand jour. C'est le... J'ai oublié le nom. Pourquoi je passe par là? Hein? Vous m'expliquez pourquoi je dois passer par là? Ok. Why not? Ok, déjà... On prend tout. Bon, en fait, je comprends pas grand-chose. Je comprends pas le délire que j'ai actuellement là, pourquoi il pleut. Mais bon, c'est pas grave. Il y a 200 mètres, 200 pas. Je dis 200 mètres, mais c'est 200 pas. C'est bien écrit à côté que c'est 200 pas. Ah, enfin bref. Entre deux, tu vois, j'ai pu tester Zelda Breath of the Wild. Qu'il y en a qui disent que c'est un concurrent à ce jeu. Franchement, en jouant deux jeux, je trouve pas. Zelda, c'est vraiment son univers atypique. Horizon Zero Dawn nous propose vraiment un univers différent de Zelda, quoi. Certes, c'est le monde ouvert, t'as les mettre à peu près... une direction artistique propre. On va ramasser une pierre. Et alors, ah, bonjour. Je dois te parler. Moi aussi, je dois te parler apparemment. Bref, pour résumer vite fait, les deux jeux, je les trouve pas en concurrence, plutôt des jeux complémentaires. Alors, ils ont des univers un peu différents, ils ont des similitudes, le monde ouvert, tout ça, l'arc. Mais je trouve qu'ils sont plutôt complémentaires plutôt que concurrentiels. Enfin bref, on va parler à Rust. Bon, il est temps. Tu es prête? Non. Non, pas encore. Je reviens tout de suite. D'accord. Je t'attends ici. Aloy. Ok. Je dois te parler. Putain. T'es prête? Oui. Je suis prête. Ah putain, j'ai eu le droit qu'une fois. Ah non, je sais pas. Oui, je crois. C'est plus bruyant que je pensais. Tu ne t'es jamais trouvé aussi près. Tout paraît plus grand quand on s'approche. Ne t'inquiète pas, tu t'y habitueras. Tu verras. J'ai pas envie. Fou. Ça reste à prouver. Cherche la haute matriarche Tirsa. Elle t'aidera. Tu as d'autres questions?
Une dernière leçon avant que j'y aille? Non. Les terres sauvages n'ont plus rien à t'apprendre. C'est toi mon mentor, pas les terres. Mais j'ai peur que mon arc et ma lance ne m'aident pas beaucoup. C'est avec eux que tu obtiendras ce que tu attends depuis tant d'années, Aloy. Des réponses. Ok. Qu'est-ce qui m'attend à l'intérieur? Des gens qui font la fête, un grand banquet. Plus de monde que tu n'en as jamais vu. Le cœur de la mer est sans égal. C'est le siège des hautes matriarches, le centre des Nora, le joyau des terres sacrées. Et Nora Malagré? Sois patiente, tu l'apprécieras. Ah non. Autant que moi, quand j'étais encore l'un d'eux. Tu es sûr qu'ils vont m'accepter? Ah, je te l'ai dit, Aloy. C'est la loi, l'éclosion s'adresse à tous les enfants parias. Et les vainqueurs deviennent des braves et ne sont plus des parias, je sais. Mais tout le monde ne suit pas les règles comme toi, Rost. Aie confiance, Aloy. La tribu respectera tes droits. Bon, ok. C'est bon, je suis prête. On se revoit dans quelques jours? Ou pas. J'ai l'impression que ça... Je ne serai plus là, Aloy. Ouais, pourquoi? Prends ceci. Putain, c'est vraiment la voix de Morgan Freeman. Pourquoi j'ai l'impression qu'on ne se reverra plus? Parce que lui sera un paria et pas toi? Non. Tu dois rejoindre la tribu. Moi, je serai toujours un paria. Mais je te l'ai dit, j'ai trouvé une solution. Je viendrai te voir en secret. C'est moi qui enfreindrai la loi, pas toi. Rien ne t'oblige à me parler. C'est... Ce lien que tu veux maintenir est une entrave. Je veux que tu fasses pleinement partie de la tribu. Ton isolement n'a que trop duré. Je ne me sentais pas isolée. Pour ton bien, je dois aller là où tu ne me retrouveras jamais. C'est... C'est un adieu. Ah, oh, c'est triste. Eh ben, bon débat, je non, te retrouverai. Je refuse. Tu m'as appris à pister. Où que tu ailles, je te retrouverai. Pas cette fois. Et pourtant... Je te le jure. Et quand je te trouverai, je porterai ça. Que la toute-mère te protège, Aloy. Toi aussi. J'espère juste que l'épisode sera pas diffusé en retard. Je vous rappelle aussi que n'oubliez pas, il y a un épisode le jeudi. Hein, pour... J'ai oublié de le dire en début d'épisode. Qu'est-ce que je... Il faut que je l'oublie. Pour l'instant. D'abord, l'éclosion. Je suivrai sa piste après. Donc, voilà. Le jeudi, à peu près dans les mêmes horaires, il y a un épisode. Parce que j'ai l'impression que l'épisode du lundi est plus vu que l'épisode du mardi. Du jeudi. À quoi parler? Retourne d'où tu viens, paria. Ou crève. C'est toi qui vois. Mais ouvrez-lui, qu'est-ce que vous faites? Brave, laissez-la passer, elle est la bienvenue chez nous. Le cœur de la mer t'accueille à bras ouverts, mon enfant. Suis-moi. Je te rassure, les vrais Nora sont moins grossiers que ces idiots. Tu es Tirsa? Qui voudrais-tu que je sois? Allez, suis-moi. J'attends l'arrivée de ce jour depuis tellement longtemps. Ah bon? C'est vrai, ça? Oh que oui. Mais pourquoi? Pour le moment, je ne peux pas rester avec toi. Il y a d'autres étrangers que je dois protéger ce soir. Tu... quoi? Des émissaires d'une lointaine tribu, les Karja. Ils sont venus assister à l'éclosion, et Dieu que les Nora détestent les Karja. Des Karja? Mais ça, ce n'est pas ton problème, on fera connaissance plus tard. En attendant, profite bien du festival. Ok. Oh, tu devrais descendre le chemin vers la droite, tu tomberas sur un ami qui a hâte de te revoir. Mais je ne connais personne ici. Essaie donc de lui dire ça. On fera connaissance plus tard. Que la déesse te protège. Mais qu'est-ce qui se passe? Ok. Parlez à votre ami entre guillemets.
toute façon, je leur parle pas, vous, le bâtard. On va faire une sauvegarde manuelle ici. Voilà. Aloy, c'est bien toi, hein? Par ici. Un tub. C'est bien Aloy, non? Ma mémoire ne me fait pas défaut. C'est toi, le vieil ami dont Tirsa m'a parlé? Je te connais pas. Je vois bien que tu me reconnais pas. Enfin, il faut dire que ça remonte. Je m'appelle Teb. Et toi, à l'époque, tu n'étais qu'une enfant quand tu m'as sauvé d'un troupeau de machines. Je m'en souviens. Tu voulais me remercier. Je n'ai jamais oublié ce jour. Pendant tout ce temps, j'ai espéré te retrouver. Que tu participerais à l'éclosion. Ok. Comme tu peux le voir, je n'étais pas destiné à être chasseur. Ma fonction dans la tribu, c'est tailleur. Je fabrique vêtements et armures. Sachant que ce jour viendrait, je t'ai confectionné une tenue, j'espère qu'elle te plaît. Et combien je te dois? Quoi? Mais rien. Considère ça comme mon cadeau de remerciement. Très en retard. Donc je dois acheter ça, c'est ça? La brave Nora, là. Équipé, tiens. Il n'y a pas de pantalon. Attends, tu souviens. C'est rare les jeux où ils te mettent pas en avant le côté sexy du perso. Parce que regardez, le seul côté dénudé qu'il y a, c'est les bras. Franchement, je trouve ça plus intéressant. Parce que sexualiser des personnages vidéoludiques, des fois, c'est chiant. On dirait que ça a été fait pour toi. Merci, Teb. C'est la première fois que j'ai un habit de ce genre. Oh, de rien. Tu verras qu'il offre une meilleure protection que ce que tu portais. Chaque tenue a ses propres avantages et ses inconvénients. Forcément. Bref, je ne te retiens pas plus longtemps. Tu devras aller voir les matriarches si tu veux trouver Tirsa. Tu reconnaîtras leur pavillon. C'est un grand bâtiment en bois, surveillé par une foule en colère. Tirsa a dit quelque chose à propos d'émissaires d'une autre tribu. Oui, c'est pour ça la foule en colère. Ce sont des Karja venus voir nos terres sacrées pour la première fois. Je m'attends à voir des lancers de tomates, ou de pierres peut-être. Pas de lance, j'espère. Dans tous les cas, sois vigilante. On a fini par la Thèbe. Ouais, voilà. Les... les matriarches. Je devrais pas en boire une autre. Si? Non. Bon, allez. Bah, j'ai froid aux mains. Il fait une chaleur d'enfer. Tu devrais pas en boire une autre? Non, tu es à côté d'un feu. Écoutez bien, c'est tellement scandale. C'est vous qui devrez raconter cette histoire quand je ne serai plus là. Tout le monde sait bien que Tirsa commence à fermer à l'emporte. Alors que Claire créa toutes les formes de vie. Voilà. Aloy, par ici. Tiens. Karst, qu'est-ce que tu fais ici? Attention, fais comme si on ne se connaissait pas. J'étais pas censé faire du troc avec des parias, tu sais. Comment l'oublier? C'est si aimable à toi d'accepter de me parler. Arrête un peu. Tu sais très bien que je te soutiendrai pendant l'éclosion demain. J'ai hâte de voir la tête qu'ils feront quand tu vas gagner. Et si tu as besoin d'équipement de dernière minute, tu peux compter sur moi. Ok. Bon, le cœur de la mer. Tu ne préfères pas la nature? Bah, on ne peut pas boire seul éternellement, tu sais. Franchement, je me sens seul de temps à autre. Là, fallait que je le dise.
Ne me méprise pas. Je suis seul au monde. Je ne t'en veux pas. Non, pardon. Si tu me fais une ristourne. Tu vas quand même pas. Je plaisante, Karst. Je suis contente de te voir. Pousse pas trop non plus. Ok, au boulot. Un arc de cœur. Mais c'est dommage, on peut pas comparer par rapport à ce qu'on a. Parce que vous voyez, par exemple, celui-là. Je pourrais le vendre. Arc de chasseur Kaja. D'accord. Oh, putain. Plus tard, Karst. Bonne chance. Clin d'œil, clin d'œil. Pardon. Donc. Dans quelques instants, nous bénirons l'éclosion. Mais d'abord, accueillons nos invités. Cela va faire 2 ans que nous sommes en paix avec les Karja. Il est grand temps de rétablir nos liens commerciaux avec Méridian. Ces émissaires Karja sont venus jusqu'à nous, sous la bannière de la paix. La paix? Quelle paix? Ceci est une déclaration de gratitude, rédigée de la main même du roi Soleil, Abba. Espèce de misérable! Hé, Luminance de la... Arrêtez avec vos fruits! Arrêtez avec vos fruits, fidèle Nora! Je suis Océram, je ne suis pas Karja, et je vais jouer franc jeu. Le 13e roi Soleil n'était qu'un sale meurtrier. C'est vrai. C'est un tyran et un monstre. Il faisait des raids dans ma tribu pour ses sacrifices, tout comme chez vous. Ma propre sœur a été enlevée. Je haïssais les Karja. Mais cet horrible monstre est mort, il y a de ça 2 ans maintenant. Et qui l'a tué ? Le roi actuel. Ouais. Il ne l'a pas fait par simple soif de pouvoir, mais parce que quelqu'un devait mettre fin aux atrocités de son père. Ouais. Dans le message que ce pauvre prêtre essaie de vous lire, il y a une demande de pardon. Qui vous vient tout droit du 14e roi. Alors s'il vous plaît, faites un effort et écoutez-le. Non. Oui, merci. Ceci est une déclaration de gratitude, rédigée de la main même du roi Soleil Avad, 14e luminescence de la lignée radieuse. Apparemment, il se trouve sur cet homme au crâne chauve. C'est un visiteur. Elle aurait pas dû inviter. Dispositif inconnu détecté. Ça est assez trop noir, cette fois. Elle n'aurait pas dû inviter ces sanguinaires Karja. Alors, que vos jeunes gens. Laisse toute mère les mots. Focus, bien comme le mien. Nous crions. Comment je suis censée me divertir? C'est la première fois que je vois quelqu'un d'autre porter un focus. D'où est-ce que tu le tiens? Hein? Une Nora? Avec un focus, c'est impossible. Ta tribu a peur des ruines. C'est interdit. Qui te dit que je suis comme les autres? Ben, oui. C'est pas faux. Si tu t'aventures dans les ruines de l'âge de métal... Qu'est-ce qu'il y a? Désolé. Ça marche mal. Olin, tu sympathises avec les autochtones alors? Je reviens. Attends. Okay. Non, on se voit plus tard. Je dois y aller. Wow, je crois qu'il a pas encore fini de dessouler. Toi aussi, t'as un machin comme Olin sur la tête. Mais c'est la grande mode en ce moment, ou quoi? Il s'appelle Olin? C'est qui? Où est-ce qu'il a trouvé ça? Bah, c'est juste un parasite qui a des amis haut placés. Il passe ses journées à chercher des artefacts et ses nuits à boire ou à jouer. Et pour son bidule, il a dû le déterrer je sais pas où. Un vieux truc bizarre qu'il porte pour se la raconter. Mais ne le prends pas mal, toi ça te va bien. Dragueur.
J'ai cru que ton ami allait devoir s'enfuir sous les fruits pourris. Mais tu les as calmés. Merci. J'étais pas certain d'y arriver. Les Nora en veulent encore au Karja à cause des raids rouges. Ah oui. Et c'est normal. Qu'est-ce que tu sais d'autre sur Olin ? Il t'intéresse tant que ça ? Fais gaffe, je vais être jaloux. Eh bien, en fait, il vadrouille dans les terres sauvages, il ramasse des trucs dans les ruines et il les vend aux nobles. Quand il fouille pas, il explore. Il a pile les bonnes compétences pour guider les expéditions. Ça fait quelques années qu'on se connaît. C'est un ami fidèle qui aide sa famille et tient bien la bibine, un type bien. Mais à part ça, il est normal. Je n'avais jamais vu d'armure comme la tienne. Tu n'as jamais vu d'acier d'avant-garde ? Alors je t'explique. Anneau de sécurité, résistance aux impacts, idéal contre les Dancy. Indispensable. Les avant-gardes sont l'élite du Roi Soleil, ses meilleurs assassins et chasseurs de machines. Ok. Et tu vois, même une guerrière Nora comme toi ferait mieux de se méfier de nous. Avec tout ce métal qui te ralentit, je suis pas sûre. Ouais, faudrait voir. Mais à mon avis, ça ferait un combat équitable. J'avais une autre question. Comme tu veux. Mais je serai encore là après la bénédiction, on serait plus tranquille. J'avais jamais entendu parler des raids rouges avant. C'était quoi ? Comment ça ? Ta tribu était en guerre et tu ne le savais pas ? Tu vivais dans une grotte, tes parents étaient un peu trop protecteurs. T'es paria, connard. J'ai toujours été une paria. La tribu m'évitait. Oh, ouais, j'ai entendu parler de ça. Une coutume bien cruelle, à mon sens. Et pourtant, même les parias sont au courant du dysfonctionnement des machines, non ? Elles deviennent plus dangereuses chaque année. Le roi barbare s'est dit que s'il offrait suffisamment de sang au dieu soleil, les machines se calmeraient. Ridicule. Pendant longtemps, il a lancé des raids dans les tribus et sacrifié des prisonniers, dont ma sœur. Les Nora ont bien combattu, mais nombreux ont péri. Tu dis que les machines sont de plus en plus dangereuses au fil des années ? Oui, mais tu le savais déjà, non ? C'est toi qui me l'apprends. Oh, désolé, j'ai cru que t'étais déjà au courant. Si je comprends bien, il y a 15 ou 20 ans de ça, les machines n'étaient pas à cran comme elles le sont aujourd'hui. Quand un chasseur approchait, elles s'enfuyaient. C'était peut-être dur de les abattre, mais pas dangereux. Du moment qu'on ne restait pas sur leur chemin. Mais le dysfonctionnement a frappé et là, tout a changé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Soudain, au moindre signe d'agression, les machines grognaient et chargeaient. Après quelque temps, elles se sont mises à attaquer à vue. Le moindre déplacement devenait risqué. Et pour couronner le tout, de nouvelles espèces de machines sont apparues encore. Plus grosses, plus fortes et lourdement armées. Comme le Dancy ? Oui, il y a 10 ans pour lui. Mais tous les 2 ans environ, une machine encore pire arrive, tu peux me croire. Qu'est-ce qui provoque ces changements ? On l'ignore. Et les machines, elles n'expliquent rien. Et il s'est passé quoi ? Comment ça s'est fini ? Le propre fils du roi démon a réuni les rebelles Karja et les corsaires au Séram. Ensemble, nous avons fait l'impossible, reprendre Méridian et abattre le souverain gâteux. Aujourd'hui, c'est son fils qui règne, et depuis, tout va beaucoup mieux. Avec Avad, fini les sacrifices et adieu l'esclavage. Okay. Toutes les tribus sont les bienvenues à Méridian, même les exilés de Nora. Alors, tu devrais y faire un tour. Qui sont les Océram ? Oh, c'est ma tribu. On vient du Nord-Ouest. On a 3 spécialités. S'engueuler, forger de l'acier et la bière. Et les corsaires, c'est quoi ? On était un peu comme des mercenaires, des guerriers à embaucher. Mais bien plus loyaux que des vrais mercenaires. Avad n'aurait jamais renversé son père sans nos armures et notre force. Aujourd'hui, certains d'entre nous constituons sa garde personnelle. Ta sœur a été enlevée et sacrifiée. C'est horrible.
Enlever, oui. Sacrifier, non. C'est pas quelques Karjas qui vont mater Ersa. Elle s'est enfuie pour devenir mon capitaine. Elle dirige toute l'avant-garde. C'est la guerrière préférée du Roi Soleil. Comment le Roi Soleil, quoi. Ah, oh, c'est une sacrée histoire, ça ne se raconte pas comme ça. Peut-être une autre fois autour d'un verre ou deux. Dragueur. Ou viens à Méridian, tu la rencontreras. Vous vous entendriez bien, vous êtes toutes les deux... très franches. Parle-moi encore du dysfonctionnement. Si je comprends bien, il y a 15 ou 20 ans de ça, les machines n'étaient pas à cran comme elles le sont aujourd'hui. Ça doit être important, ça. Quand un chasseur approchait, elles s'enfuyaient. C'était peut-être dur de les abattre, mais le dysfonctionnement a frappé et là, tout a changé. Soudain, au moindre signe d'agression, les machines grognaient et chargeaient. Après quelque temps, elles se sont mises à attaquer à vue. Ça doit être important, en fait, ça. Devenait risqué. Je m'en rends compte. Et pour couronner le tout, de nouvelles espèces de machines sont apparues encore. Comme le Dante? Oui, il y a 10 ans pour lui. Qu'est-ce qui provoque ces changements? On l'ignore. Et les machines... Les Karjas ont une histoire tellement sanglante. Pourquoi tu les sers aujourd'hui? Le dernier roi et ses sbires étaient des barbares. Et le nouveau souverain veut la paix. Et ça me convient parfaitement. Est-ce que c'est vrai? Et puis les Karjas ne font pas que se battre, ils bâtissent. Regarde Méridian. À côté, n'importe quelle ville a l'air dérisoire et primitive. C'est vraiment grand, Méridian? C'est comment? Par où commencer? Ma tribu possède sans aucun doute les meilleurs forgerons du monde. Personne ne nous surpasse. Mais pour la construction, les Karjas nous surclassent. La cité surplombe un canyon avec plus de ponts que les Noras n'ont de route, et des bâtiments gigantesques. Et de l'autre côté se dresse la flèche. Une lame qui transperce le ciel et reflète le soleil. Il faut absolument que tu vois ça. Disons que je te lance un défi. Ou une invitation. Ok, retour. J'ai une question à propos d'un truc que tu m'as dit. Je t'écoute. Parle-moi encore d'Olin. Quand il fouille pas, il explore. Ça fait quelques années qu'on se connaît. C'est un ami fidèle qui est... Ok, bah... Je crois que la bénédiction m'appelle. On va faire ça. Hein. Écoute, je devrais peut-être pas dire ça, mais... Pour moi, tu n'as rien à faire dans ce trou. Je veux dire, t'es pas bête. Clairement, tu sais te débrouiller. Regarde-toi. De quoi est-ce que tu parles? Oh, arrête. Si jamais tu viens à Méridian, viens me voir. Je te ferai visiter, je te présenterai. Ce sera une nouvelle vie, si ça te dit. Enfin bon, il faut que j'aille à la bénédiction, alors... À plus tard. Ok. Le mec, il veut braguer. Sa paria pourrait nous surprendre. C'est Rost qui l'a entraîné après tout. J'aimerais bien un truc pour sauvegarder, bast, là. Bast, bast. Et voilà, alors. Elle est douée. Elle a du sang de chef de guerre qui coule dans ses veines. Ok. Du temps de ma mère, l'éclosion était une occasion bien plus solaire. Il y a un feu là, non? Bon. Un spectacle. On va les sauvegarder parce que je suis un peu serré niveau timing, donc je vais pas pouvoir enregistrer 2 épisodes d'affilée. Donc. On va chercher un petit truc, un petit feu. J'ai pas le choix. Eh mais sérieux? Bah, je suis passé où tout à l'heure? Ouais, par là peut-être. Bon, ça me saoule.
Je sais plus où est le passage. Ah, il est pas là. Écoutez bien, surtout. Car c'est vous qui devrez raconter cette histoire quand je ne serai plus là. Descends de là, toute Louise. Allez. Ah, bah c'est que tu vois. Il est où le feu de camp? Je suis désolé de faire un truc comme ça. Hein. Mais là, pas le choix. Sauvegarde manuelle. Je suis désolé. Hein. Parce que... Je préfère faire ça. Me concentrer sur un seul épisode pour l'instant. Donc, j'espère que ce 5e épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le faire savoir. Moi, je vais essayer de le publier à l'heure, si possible. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous êtes présent. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit avis dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Puis, si vous n'avez pas vu les précédents épisodes, je vous invite à regarder dans la playlist qui se retrouve en haut à droite sur le petit i. Ou dans la description, comme ça vous pourrez voir les 4 précédents épisodes. Et puis nous, on se donne rendez-vous jeudi pour un nouvel épisode. Ciao, bye bye. Ouh.